L'opération s'est déroulée dans le calme. À Paris, deux campements où vivaient dans des conditions indignes quelques 800 migrants ont été évacués. Les occupants ont ensuite été conduits vers des centres d'hébergement. Une évacuation qui intervient au lendemain de l'annonce par le gouvernement d'un déblocage de plusieurs centaines de millions d'euros pour l'accueil des réfugiés et des SDF. Le Chili en état d'alerte après un violent séisme dans le centre du pays. Au moins 5 personnes sont mortes, 1 million ont été évacuées en raison d'une alerte au tsunami. À Santiago, la capitale, le séisme a provoqué un mouvement de panique. Des milliers de personnes ont déferlé dans les rues. L'affaire des transferts présumés douteux rebondit à Marseille. Jean-Claude Dacier, l'ancien président de l'OM, a été mis en examen pour abus de biens sociaux, association de malfaiteurs et faux et usage de faux. L'enquête porte sur le transfert de 14 joueurs passés par le club phocéen. Tentative de coup d'État ou mutinerie, la confusion la plus totale règne en tout cas à Ouagadougou. À moins d'un mois d'une présidentielle cruciale pour le Burkina Faso, des militaires de la garde présidentielle retiennent en otage le président intérimaire et son premier ministre. Leur coup de force à peine mené, les militaires ont annoncé la dissolution des institutions de la transition, promettant en passage d'organiser des élections. La crise fait réagir l'Union européenne. Elle demande la libération immédiate des personnes retenues en otage. Un éléphant, ça s'observe énormément, surtout depuis que Google a mis à la disposition des internautes un nouvel outil. Grâce à des caméras installées dans une réserve naturelle au centre du Kenya, on peut assister à un épisode de Safari réalité depuis son canapé. Un clic de souris et vous voilà au milieu des pachydermes. Pour une fois, l'éléphant et le petit rongeur font bon ménage.